Gustavo Kuerten, also known as Guga, left an incredible mark on the world of tennis with a career that was as inspiring as it was successful. Hailing from Brazil, a nation not traditionally associated with tennis excellence, Kuerten's rise to fame was a story of talent, determination, and unmatched charisma. He burst into the scene in 1997 by winning his first French Open title, a feat that took him to global recognition. His unique play style, highlighted by his elegant one-handed backhand, made him stand out on the court. His joyful demeanor and celebratory heart gesture made fans love him all over the world. The pinnacle of Kuerten's career came between 2000 and 2001, when he secured back-to-back French Open titles. His triumphs on the red clay of Roland Garros cemented his legacy as one of the greatest clay court players in tennis history. Guga's success was particularly meaningful for Brazilian tennis, as he became a symbol of hope and inspiration for aspiring tennis players in his home country. In 2004, Guga had been suffering from injury after injury and was just coming back from a hip surgery that would later be the end of his career. However, he managed to beat Roger Federer in the third round of Roland Garros, causing a huge upset. This would remain the last time that Federer was defeated in any Grand Slam prior to the quarterfinal stage, until his second round loss against Tachofsky at Wimbledon in 2013. After that, Kuerten lost in the quarterfinals to David Nalbandian, and unfortunately for him, not only would this be his last big result in a major tournament, but soon thereafter, injuries would severely derail his career again. He would participate in only 5 more tournaments in 2004, and his painful hip would require a new surgery by the end of the year. In 2005, he played only 2 Grand Slam events, and would then disappear from the tour until a farewell appearance at Roland Garros in 2008. He would play the last match of his career against Paul-Henri Mathieu in the first round. Guga's career and retirement match stand as a testament to his exceptional talent and profound influence he had on tennis and his nation. His journey from a young boy with a racket to a global tennis icon continues to inspire players and fans alike, reminding us all of the transformative power of sports. Before I leave you with the match, feel free to hit the like button and subscribe to my channel for more original tennis content. Thank you so much for the never-ending support, and without further ado, let's get started. Sorti. Et il a dit, je me suis senti transporté en réussissant ça, et il avait gagné donc son troisième Roland Garros derrière et très applaudi sur cet amorti. Ah, faute de pied, non, annoncé pour le Brésilien. C'est pas vraiment c'est du règle, goût là. Du public, mais bon, voilà, on va pas faire une exception pour Gustavo, qui s'en amuse un petit peu aussi. Quel revers incroyable, magnifique, c'est magnifique. Ah, ovationné, hein, Gustavo, pour inscrire. Ouh, ce retour. Coup de fusil. Ah, voilà. Voilà l'enchaînement parfait de Gustavo Kuerten. Il neutralise son adversaire avec un revers long croisé. Non, il est dehors. Mathieu mène 5 jeux à 3. Voilà le troisième jeu. Jeu à première manche. Et bien c'est fait. 6 jeux à 3. De manière plutôt. Et la mécanique est complètement chauffée maintenant. Oh là là, il est là ce revers qu'on a tellement plaisir à voir. Et notamment Pio Cudua. Elle est bien faite. Spécialité de Guga aussi. C'est remarquable. On a plaisir à revoir ces grands coups. On a l'impression qu'il a envie de les faire une dernière fois pour tout le monde, pour lui d'abord, pour se faire plaisir. Et pour. Et oui, il y avait de la place là-bas, il y avait de la place. Et le côté revers, ça ne pardonne pas. Ah.
épuisé là, l'échange. Ouais. Un peu épuisé. Comme s'il en pouvait plus. Ramasseur, s'il vous plaît. Trop qu'il est beau. Oh, qu'il est beau ce revers. Ah, ça va, mais quand il est placé sur la balle, il se régale. Et le même. Oh, formidable. De suite, comme ça, et il serre le poing, il rentre le public. Assez étonnant. Ah, ça sort. Ça sort, malheureusement, pour le Brésilien. Nouveau break. Voilà. Ah, c'est dedans. Jeu blanc pour conclure ce deuxième set et donc mener deux manches. Et qu'effectivement, il avait été l'un des tout derniers à battre Pete Sampras. Alors, est-ce qu'il aura aussi cet Iñigo Palmarès? C'est bien d'avoir ce genre de référence hein, pour des joueurs du calibre de Pierre-Henri à qui Gustavo Kuerten vient de donner son attitude qu'on lui connaît. Ah, si elle est bonne, oui, c'est sûr. De cette façon-là, le petit sourire de Paul-Henri qui va arbitrer lui-même. Et il va être obligé, il va se sentir obligé. Et voilà. Il lui donne. Même si, à mon avis. Même s'il est possible qu'il soit de côté. Ouais, si on pouvait avoir le Hawkeye, s'il vous plaît, comme ça, nous, on aurait la confirmation. Pouvons-nous avoir le faucon? C'est dur. Ouais, il est un peu. Il joue beaucoup avec son bras, là. Oh là, elle est bonne, elle est bonne! Elle accroche la ligne, me semble-t-il. Ouais, exceptionnel, Roger. Oh là là! C'est reparti à fond. Ah ouais, c'est superbe. On en aura vu quelques-uns en coup droit, en revers. Ah, c'est superbe. Ah ouais. C'est superbe lorsqu'il est agressif à l'intérieur du court. Voilà, tout le monde est content, même Coulot, je pense, même s'il a perdu ce point, très sympa. Et le match du public, une fois de plus, avec ce sourire qui ouf, oh, il est beau. Hein. Une des spécialités aussi de Goulet. Les jambes ont l'air bien dures, bien raides. Tiens, il a reconnu quelqu'un dans la tribune, il fait un petit signe. Ah, c'est à la petite fille de Larry Passo. Je crois. Non, ça va être dur, ça va être difficile. Ça va être vite pour lui. Dur, dur, dur. Une nouvelle balle de 5-2. Ça frappe très très bien. Ah, il a tenté le service volé. Oh, que c'est. Oh, quel dommage! Elle sort, elle lui échappe un tout petit peu, mais c'était pas mal vu. Ouais. Comment pouvait-il en être autrement? Évidemment, Gustavo Kuerten a droit à la hola du central de Roland Garros. Pour ce qui est peut-être son dernier changement de côté, c'est la fête. C'est la fête pour lui, c'est un hommage. Voilà le sourire, le grand sourire du Brésilien avec toujours cette décontraction et ce charisme auprès du public. Voilà, il remercie tout le monde. Il me dit, mais toi, tu m'as fait mal là, mais enfin bon. C'est sympa, ce sourire des deux joueurs. On voit ça très, très rarement dans un tournoi du Grand Chelem, même jamais. Jamais, non. Et Paul-Henri Mathieu va servir dans une ambiance tout à fait exceptionnelle pour dire au revoir et merci à Gustavo Kuerten. Qui doit être certainement ému, là. Il sauve la balle de match dans un grand sourire. Il fait signe à son entraîneur, t'as vu hein, j'ai encore quelques jolis restes. Que du plaisir, que du bonheur, c'est beau hein. Ah c'est ouais. Très très beau, très très émouvant. 40 ans.
Et cette fois, c'est terminé. Merci Guga. C'était un match comme on voulait le voir. Qui a bien tenu son rang de triple vainqueur de Roland Garros et qui peut recevoir, et même à cause de blessures, mais qui aura aidé à rendre ce sport encore un peu plus humain pour Guga. Qui là, eh bien, une dernière fois, Gustavo Kuerten, le gentleman brésilien du tennis. Lui qui fut le premier numéro 1 brésilien de l'histoire de ce sport. Polo qui vient lui donner une accolade, une de plus. Et qui se souviendra lui aussi sans doute très longtemps de ce match. Ont tenu à honorer la carrière de Gustavo Kuerten. Gustavo Kuerten. Bravo. Bravo. Ça va être dur. Hein. 31 ans. Une page qui se tourne. La vie continue bien sûr, mais voilà, ça sera un peu plus loin du tennis, même s'il a envie de s'impliquer de nouveau dans le tennis d'une autre façon éventuellement. Mais voilà, la terre battue qui l'a rendu célèbre, elle est là. C'est la tranche de terre, de gravillon, de sable qu'il y a pour faire le cours central et qu'il pourra mettre eh bien, où il veut d'ailleurs dans ses chambres. Je ne sais pas où, mais il y aura toujours cette émotion en regardant ce trophée. Vous avez vu que là encore les larmes. You want to say a few words, maybe in French, peut-être en français, avec ce public que tu connais tant ici. Ok. Pour moi, merci beaucoup. Je pense que aujourd'hui, encore une autre fois, je suis le garçon plus happy. How you say happy? Heureux. Heureux. Le monde, parce que ici, pour moi, c'est ma vie, ma passion, mon amour, et Roland Garros, c'est tout de fait. C'était émouvant de voilà le voir avec ce trophée, mais messieurs, de le voir jouer, ce fut fantastique. Alors on va faire sa sortie de cours et on va retrouver Laurent une fois qu'il aura quitté pour la dernière fois le cours Philippe Châtrier. Avec un grand sourire, c'est ça qui est beau. Après l'alarme, la petite larme à l'œil, et bien maintenant le grand sourire qui illumine de nouveau le visage de Gustavo.